Bonjour, on va voir ensemble aujourd'hui le cours de déshydratation aiguë. Alors, la déshydratation aiguë est une véritable catastrophe métabolique dans l'organisme de nourrition. Elle représente une des urgences médicales les plus extrêmes. Elle est en rapport avec une perte d'eau et d'électrolytes sans perte en tissu de soutien, et ceci le plus souvent en rapport avec un excès de perte. Les pertes sont dues à des troubles digestifs dans la majorité des cas, et elles sont liées à des gastro-entérites aiguës, le plus souvent d'origine infectieuse, et dans notre contexte, en population pédiatrique, elles sont liées, comme vous l'avez vu, probablement dans le cours des diarrhées aiguës, à des infections virales. Ce qui fait toute la gravité de ces diarrhées aiguës, c'est que quand elles entraînent une déshydratation sévère, elles vont mettre en jeu le pronostic fonctionnel de certains organes, on va le voir dans la physiopathologie de la déshydratation, mais elles peuvent aussi mettre en jeu le pronostic vital puisqu'elles sont pourvoyeuses de décès, et ces décès sont appelés des décès évitables puisque la mise en œuvre de mesures de prévention qui sont notamment l'administration de solutions de réhydratation parenterale a permis de modifier de façon drastique le pronostic des diarrhées aiguës, puisqu'il suffit de donner des sels de réhydratation aux enfants qui font des diarrhées pour diminuer de façon très très importante la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Alors, pour comprendre la prise en charge, pour comprendre le mécanisme, il faut revenir un peu à la physiologie. Alors, on va essayer de voir ensemble les différents compartiments hydroélectrolytiques dans l'organisme de nourrition, qui vont être variables en fonction de l'âge. Et on voit sur ce tableau la répartition entre la quantité d'eau totale de l'organisme et la répartition entre le liquide extracellulaire, ce qu'on voit ici, et le liquide intracellulaire. Et dans cette répartition, on voit bien qu'elle est variable en fonction de l'âge. Et plus on est jeune, plus l'organisme va contenir de l'eau, puisque chez un nouveau-né, l'eau représente 75% du poids corporel, alors que chez un enfant entre 1 an et 3 ans, elle va représenter 65%, et elle ne rejoint celle de l'adulte qu'autour de l'âge de 9 ans, qui va être à peu près de 60%. Cette répartition en eau totale entre les différents secteurs, chez le nouveau-né et chez le nourrisson de petit enfant, enfin l'enfant de moins de 3 ans, l'eau extracellulaire va représenter 25% de la surface corporelle, du poids corporel, pardon, alors que chez l'enfant plus grand, à partir de 9 ans, elle ne représente que 20%. Et bien, cette particularité rend ces nourrissons et ces petits enfants plus vulnérables à la déshydratation. Toute perturbation de l'équilibre hydroélectrolytique par une augmentation des pertes va entraîner une déshydratation aiguë. Alors, en ce qui concerne la composition des différents compartiments liquidiens en électrolyte, il faut tout d'abord savoir, et c'est un élément très très important qui va expliquer les mouvements d'eau entre le milieu extracellulaire et intracellulaire, que dans l'organisme, on a la même osmolarité entre les secteurs intracellulaires et extracellulaires, et elle est à peu près de 280 plus ou moins 30 osmoles par litre. Et cette osmolarité, elle est due justement à ces électrolytes qui vont se retrouver au niveau de ces différents milieux. Tout d'abord au niveau du liquide extracellulaire, qui lui-même est composé, subdivisé en deux parties. C'est le secteur vasculaire et le secteur interstitiel. Le secteur vasculaire, il se retrouve au niveau des vaisseaux, c'est le sang. Et le secteur interstitiel, qui est l'interface qui permet les échanges entre le secteur vasculaire et le secteur intracellulaire. Bien, la composition du secteur extracellulaire, l'ion principal, le cation principal, c'est le sodium, c'est celui qui va conditionner l'osmolarité de ce milieu extracellulaire, et l'anion principal est le chlore. En ce qui concerne le milieu interstitiel, il a exactement la même composition que le secteur vasculaire. Ce qui différencie, c'est qu'au niveau du milieu interstitiel, on ne retrouve pas de protéines qu'on va retrouver au niveau du plasma. Et vous allez voir l'intérêt et l'importance de ces protéines dans les échanges entre ces deux milieux le milieu vasculaire et le milieu interstitiel. Pour ce qui est du liquide intracellulaire, le liquide intracellulaire, le cation principal est le potassium et les anions principaux vont être les protéines et le phosphate.
qui permet d'avoir cette même osmolarité entre les deux milieux, mais aussi que le sodium reste en extracellulaire et que le potassium reste en intracellulaire, c'est la pompe sodium-potassium ATP dépendant qui va faire en sorte de faire sortir trois ions de sodium et de faire entrer deux ions de potassium de façon continuelle pour permettre de maintenir cet équilibre. Alors, les lois qui vont régir les mouvements d'eau entre les différents milieux, tout d'abord entre le milieu intracellulaire et extracellulaire, c'est la loi d'osmose que vous connaissez, que vous avez vue quand on vous faisait physiologie au cours des premières années. La loi d'osmose, elle dit que l'eau passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré et qu'en réalité, le milieu qui va changer d'osmolarité, c'est le milieu extracellulaire parce que c'est lui qui est en contact avec le milieu extérieur. Et donc, c'est cette modification de la tonicité du milieu extracellulaire qui va régir les mouvements d'eau entre le milieu intra et extracellulaire. On va le voir en donnant des exemples, le cas en quoi ça consiste en réalité. Maintenant, dans ce secteur extracellulaire, entre le milieu plasmatique et le milieu interstitiel, la loi qui régit les mouvements d'eau, on l'appelle la loi de Starling. Et la loi de Starling, elle dit que la pression hydrostatique du sang a tendance à pousser le liquide hors du capillaire, alors que la pression oncotique, elle, a tendance à attirer le liquide dans le capillaire. Ce qui veut dire que dans le secteur artériel, quand vous avez une pression hydrostatique plus importante que la pression oncotique, la pression qui est occasionnée par les protéines, l'eau et les nutriments auront tendance à sortir du secteur vasculaire pour aller justement nourrir ces cellules. Par contre, au niveau du secteur veineux, où la pression hydrostatique est moins importante que la pression oncotique, l'eau va être appelée à l'intérieur des vaisseaux pour permettre justement à la cellule de se débarrasser de ces déchets qui vont être éliminés au niveau des organes qui permettent l'élimination, comme le foie et le rein. Alors, deux organes qui sont très très importants dans le maintien de l'équilibre hydroélectrolytique, et c'est tout d'abord le tube digestif. Alors, on pense tube digestif, on pense souvent absorption, mais on oublie qu'avant d'assurer cette fonction essentielle qui est l'absorption, il a besoin d'abord de digérer les aliments, puisque les aliments vont être transformés en nutriments simples. Et pour cela, le tube digestif produit énormément de liquide, c'est ce qu'on appelle la sécrétion. Et c'est les sécrétions salivaires, gastriques, pancréatiques, biliaires et intestinales. Et le tube digestif doit réabsorber toutes ces sécrétions de façon complète et il doit aussi absorber le bol alimentaire, l'eau qui va être apportée par le bol alimentaire. Donc en réalité, le bilan d'eau doit être tout le temps positif. Il doit absorber plus qu'il ne sécrète pour qu'on ne se retrouve pas dans un état de déshydratation et pour qu'il y ait un équilibre. Et c'est pour ça qu'on dit que toute interruption du cycle entérosystémique de l'eau va aboutir à un bilan négatif. Alors, toute interruption du cycle entérosystémique de l'eau, c'est-à-dire soit par excès de sécrétion ou défaut d'absorption, ou dans la majorité des cas, on va se retrouver plutôt avec une association des deux mécanismes, notamment dans les gastro-entérites aiguës, va aboutir à une situation où l'organisme va être déficitaire en eau et donc à une déshydratation. Un autre organe qui est indispensable pour maintenir l'équilibre hydroélectrolytique et pas seulement, c'est le rein. Et ce rein, il va contrôler la balance hydrique, puisque dans une situation où on va être déficitaire en eau, son rôle est de réabsorber de l'eau libre, mais aussi de réabsorber de l'eau en association avec du sodium, de réabsorber, de réguler la teneur en potassium. Quand il y a du potassium en excès, il va permettre d'éliminer ces ions potassium. Il permet aussi l'équilibre acido-basique, puisque quand on est dans une situation d'acidose, le rein permet d'éliminer les ions H plus en excès. Et dans une situation de déshydratation, ce rein ne peut plus assurer sa fonction, puisqu'il n'est pas suffisamment perfusé. Il ne reçoit pas suffisamment d'eau pour pouvoir assurer toutes ses fonctions. Alors, on va voir un peu de physiopathologie en démarrant de ces notions qu'on a eues de physiologie. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours de la déshydratation? Eh bien, tout d'abord, quand on a des pertes qui vont avoir la même tonicité, on imagine tout d'abord, pardon, on imagine tout d'abord que l'organisme est un bac
qui est séparée en secteur intracellulaire et extracellulaire avec une membrane qui serait semi-perméable. Et le liquide extracellulaire, le secteur extracellulaire est en contact, c'est lui qui est en contact avec le milieu extérieur. Et donc, c'est à partir de ce secteur extracellulaire qu'il va y avoir les modifications éventuelles. Dans une situation où on va avoir des pertes qui vont être excessives, et ces pertes vont avoir la même tonicité que le secteur extracellulaire, et bien, tout d'abord, en matière de tonicité, il n'y a pas de modification du tonus du secteur extracellulaire. Donc, on va avoir un secteur extracellulaire qui va être isotonique. Le fait qu'il n'y ait pas de modification de la tonicité du secteur extracellulaire va faire qu'en matière de quantité de liquide, ce secteur extracellulaire va perdre une certaine quantité de liquide et donc on va avoir une déshydratation extracellulaire. Mais par contre, en matière de mouvement d'eau, comme la tonicité reste la même entre le milieu intracellulaire et extracellulaire, il n'y a pas de mouvement d'eau entre ces deux milieux et on dit que dans cette situation, on va avoir une déshydratation isotonique extracellulaire. Donc on parle de tonicité, on parle toujours de la tonicité du secteur extracellulaire. Dans une autre situation, comme vous avez des pertes qui vont être hypertoniques. Donc quand les pertes vont avoir une tonicité qui va être plus importante que le secteur extracellulaire, ce qui va rester, donc le secteur extracellulaire lui, va être automatiquement hypotonique. Maintenant, en matière de liquide, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une diminution de la quantité de liquide au niveau du secteur extracellulaire, c'est-à-dire qu'on va avoir une déshydratation extracellulaire. Mais comme en plus, ce secteur il est hypotonique et qu'on sait que l'eau passe du milieu le moins concentré vers le plus concentré, et bien l'eau va passer du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire. Et vous concevez tout à fait que dans cette situation particulière, vous voyez que le liquide extracellulaire se vide des deux côtés. Il se vide dans le milieu extérieur et il se vide aussi en intracellulaire. Donc, on va avoir de façon très rapide la survenue de signes de collapsus et de signes d'hypovolémie sévère. Et sur le plan clinique aussi, cette situation d'hyperhydratation intracellulaire va avoir des manifestations cliniques. Et l'organe qui va le plus souffrir de cette hyperhydratation intracellulaire, c'est le cerveau. Donc, on va avoir des signes d'œdème cérébral. Il va y avoir des enfants qui peuvent être obnubulés, comateux, ils vont avoir des troubles neurologiques. Donc, quand on a des pertes qui vont être hypertoniques, on va avoir, ça va aboutir à une déshydratation qui, elle, est hypotonique. Elle sera exclusivement extracellulaire. Et on aura aussi, sur le plan clinique, des signes d'hyperhydratation intracellulaire. Dans la troisième situation, qui est les pertes hypotoniques. Quand on a des pertes qui vont être hypotoniques par rapport au plasma, eh bien, la tonicité du plasma, elle, va être élevée. On va avoir un secteur extracellulaire qui va être hypertonique. Et dans cette situation, avec l'augmentation de la tonicité du plasma, tout d'abord, on va avoir bien sûr une diminution de la quantité dans un premier temps au niveau du secteur extracellulaire. Mais comme c'est un secteur extracellulaire et hypertonique, eh bien, ce qui va se passer, c'est que l'eau passant du milieu le moins concentré vers le plus concentré, on va avoir un passage d'eau du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire. Et bien, cette situation, ce passage d'eau du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire dans un premier temps, va permettre une compensation. Et donc, on peut avoir des signes de déshydratation exclusivement extracellulaire. Mais comme les pertes se poursuivent, à terme, on va avoir une déshydratation mixte, on va avoir une déshydratation intra- et extracellulaire. Et donc, on va avoir les signes des deux types de déshydratation qu'on va voir quand on abordera le chapitre clinique. Alors, quelles sont les conséquences de la déshydratation? Tout d'abord, on va avoir des conséquences sur l'état circulatoire. Vous avez moins d'eau qui circule, notamment au niveau du secteur vasculaire, et donc on va avoir un risque d'hypoperfusion, d'hypovolémie et de collapsus. Et ce risque de collapsus est plus important au cours des déshydratations hyponatréniques, comme vient de le voir dans la physiopathologie. C'est parce que l'eau, l'organisme, le secteur extracellulaire, se vide au niveau du milieu extérieur, parce qu'il y a une perte excessive, mais il se vide aussi au niveau du secteur intracellulaire, puisqu'on va avoir un passage d'eau du secteur extracellulaire vers l'intracellulaire.
On peut avoir un risque aussi accru de prolapsus dans la déshydratation des zones intrarénales. En ce qui concerne le rein, eh bien, on va avoir une insuffisance rénale fonctionnelle. Le rein n'est pas malade, on dit que c'est une insuffisance rénale qui est pré-rénale. Mais par contre, il est hypoperfusé. Il ne reçoit pas suffisamment de liquide pour pouvoir assurer ses fonctions. Et sur le plan clinique, ça va se manifester par une oligurie. À l'extrême, on peut avoir une oligurie et une insuffisance rénale organique qui s'installe, puisque cette insuffisance rénale fonctionnelle, cette hypoperfusion, si elle se prolonge, si le prolapsus se prolonge, eh ben on va avoir une insuffisance rénale organique qui sera liée soit au fait que le rein n'est pas suffisamment perfusé, donc on va avoir une nécrose corticale, ou bien au fait qu'il y ait une augmentation des éléments figurés du sang qui va aboutir à une thrombose des veines rénales. Heureusement, c'est une situation qui n'est pas très fréquente. Alors, en ce qui concerne l'équilibre acido-basique, et notamment dans des déshydratations qui sont liées à des pertes digestives, notamment par diarrhée, eh bien, souvent on va se retrouver dans des situations d'acidose métabolique. Cette acidose métabolique, elle est d'origine multifactorielle. Alors, tout d'abord, le prix bon mauvais, c'est que les pertes digestives, quand on fait de la diarrhée, on perd énormément de carbonate dans les selles. Donc, tout d'abord, c'est ça qui va faire débuter la situation d'acidose. Maintenant, comme on est déshydraté et comme l'organisme, comme on a une hypoperfusion tissulaire, l'organisme va assurer son métabolisme dans une situation d'anaérobie. Donc, il va y avoir une sécrétion d'acide lactique qui ne fait qu'aggraver l'acidose. Par ailleurs, on est dans une situation où un organe qui est indispensable dans l'équilibre acido-basique et le rein ne reçoit pas suffisamment de liquide et donc ne veut pas assurer sa fonction de régulation en éliminant des RH+ en excès. Et donc, tous ces facteurs vont concourir à aboutir à un état d'acidose métabolique au cours de la déshydratation aiguë. Dans une situation particulière qui est la sténose hypertrophique du pylore, que vous aurez l'occasion de voir, vous avez déjà vu dans le cours de vomissement, où les enfants vont se déshydrater jeunes, autour de l'âge de 1 mois en général, ça touche plus souvent les garçons, et c'est une anomalie, une malformation digestive au niveau du pylore. Il va y avoir des enfants qui vont se déshydrater par vomissement. Et comme ils se déshydratent par vomissement, ils perdent énormément d'HCl, et donc énormément d'acide, et on va se retrouver plutôt dans une situation d'alcalose métabolique hypochlorémique. Vous aurez plus de détails quand vous ferez le cours de vomissement. Voilà. Les autres conséquences de la déshydratation, c'est que quand on fait de la diarrhée, on perd des bicarbonates, mais on perd aussi du potassium. Mais en plus de perdre du potassium au niveau des selles, dans une situation d'acidose, l'organisme a des mécanismes de compensation qui sont à l'échelle cellulaire, qui sont le rein et à l'échelle pardon d'organes qui sont le rein et le poumon. Parce que vous avez vu, on a vu que le rein permettait d'éliminer les ions H plus en excès. Il y a le poumon aussi qui intervient dans l'élimination des ions acides en les transformant en acides volatiles. Et c'est pour ça qu'on va avoir une polypnée. Cette polypnée va permettre de diminuer la pH2 et donc d'essayer de compenser cette acidose en augmentant le pH. Mais il y a aussi des mécanismes de compensation à l'échelle cellulaire. Et le mécanisme de compensation à l'échelle cellulaire, c'est que les ions H+ en excès circulant rentrent à l'intérieur de la cellule pour pouvoir être tamponnés par les protéines qui existent en intracellulaire. Et bien, ces ions H+, pour rentrer à l'intérieur de la cellule, l'espace intracellulaire n'est pas extensible, il faut faire sortir les ions potassium, un ion qui est chargé de la même façon. Donc, à chaque fois que vous allez avoir une acidose, que le pH va diminuer de 0,1, on va avoir une augmentation de la kaliémie de 0,6, mais l'équivalent par litre. Et donc, il faut interpréter le résultat des ionogrammes des patients déshydratés en fonction de leur situation clinique, est-ce qu'ils sont en acidose ou pas, et calculer des kaliémies corrigées. Alors, au-delà de la kaliémie, le meilleur reflet de tous ces ions qui vont être plutôt intracellulaires, que ce soit le potassium ou aussi le calcium, ça va être plutôt l'ECG qui, lui, va nous donner une information sur le pool potassique global. Donc, quand on a un patient, un nourrisson qui est en acidose, quand on fait un ionogramme et quand on récupère la kaliémie
faut essayer de calculer une calorie corrigée en tenant compte, en ayant cette information qu'à chaque fois que le pH baisse de 0,1, la calorie augmente de 0,6 mg/l. D'autres conséquences de la déshydratation, c'est que la diminution de la quantité de liquide au niveau du secteur extracellulaire va aboutir à une augmentation des éléments figurés du sang. Et donc, quand on fait un bilan sanguin, une formulation sanguine ou un taux de produit, on va avoir des valeurs qui vont être élevées. On peut trouver une urée sanguine qui va être élevée, qui signe une insuffisance rénale fonctionnelle. On peut retrouver une hyperglycémie. L'hyperglycémie aussi, elle peut être multifactorielle. Elle peut être liée au stress, puisque la déshydratation, on a dit que c'était le stress métabolique énorme pour le nourrisson. Et donc, on va avoir une sécrétion de toutes les hormones de stress qui sont des hormones hyperglycémiques. Ou elle peut être aussi en rapport avec les manques de concentration. Au terme de cette étude de l'analyse physiopathologique, on va voir un peu quelles sont les conséquences, comment on peut évaluer sur la clinique le degré de la déshydratation, comment on fait pour quitter une déshydratation pour débuter la prise en charge. Alors, tout d'abord, sur le plan clinique, un élément très, très important, c'est l'état interrogatoire. Dans toutes les pathologies, on a besoin de préciser certains paramètres. C'est une urgence, donc il y a vraiment des paramètres qu'il faudra préciser de façon relativement rapide, c'est-à-dire savoir quelle est la nature des pertes. En fonction de la nature des pertes, on peut préjuger du type de déshydratation. On va essayer de préciser la rapidité de leur installation et leur importance pour essayer d'évaluer la gravité de la situation. Un élément très, très important à demander et à analyser, c'est le carnet de santé des enfants, peut nous permettre des indications qui sont importantes, notamment sur un poids récent qui va nous permettre d'évaluer le degré de la déshydratation. À l'examen clinique, on va essayer d'apprécier le degré et le type de déshydratation, d'essayer de rechercher les signes cliniques d'acidose qui sont la polycythémie, l'endosis et les marbures des extrémités. Quand on a deux signes sur trois, on dit qu'on a des signes d'acidose clinique. On va essayer d'identifier d'éventuels signes de gravité, notamment la présence de signes de collapsus, d'hypoperfusion périphérique, ou bien la présence de troubles neurologiques ou des troubles neurologiques. Donc, on va rechercher un troisième secteur parce que dans certaines situations, notamment chez les enfants qui sont malnutris, les enfants peuvent être déshydratés alors que la diarrhée n'est pas extériorisée. Il va y avoir un troisième secteur. Ça nous permettra aussi d'évaluer la diurèse qui, quand elle est absente, quand on a une oliguerie ou une anurie, va signer une gravité de la déshydratation. Alors, au terme normalement de l'examen clinique, il doit se faire de façon relativement rapide pour pouvoir faire une prise en charge correcte, débuter une prise en charge le plus rapidement possible. On va se retrouver dans plusieurs cas de figure. Soit on va avoir des signes de déshydratation extracellulaire. Et ces signes de déshydratation extracellulaire vont être le globe oculaire excavé, une fontanelle antérieure déprimée, qui doit être examiné chez un nourrisson qui doit être en dehors des cris pour pouvoir l'évaluer correctement. On va retrouver un peu cutané. On peut retrouver cette notion d'absence de larmes. Les muqueuses, elles sont plus ou moins sèches en fonction de la gravité de la déshydratation. On peut avoir une soif importante. Un pouls rapide qui est l'un des premiers signes qui peut être retrouvé dans une déshydratation qui est en train de s'installer, qui est sévère. On peut avoir des troubles neurologiques à titre d'altération de l'état de conscience, une oliguerie et une oliguerie, et un intérêt général qui peut être plus ou moins altéré. C'est ce que vous voyez ici dans la photo à côté. Je vous montre d'autres photos. Alors, pour le pli cutané, il s'apprécie au niveau de l'abdomen. Alors, la peau, elle est constituée de tissu élastique qui contient énormément d'eau, ce tissu élastique. Et en cas de déshydratation extracellulaire, eh bien, ce tissu élastique perd de son élasticité. Et c'est pour ça que quand on recherche le pli au niveau de l'abdomen, vous voyez, la trace reste. Donc, on dit qu'on a un pli cutané qui signe une déshydratation chez le nourrisson. On voit sur la photo du bas les globes oculaires excavés. Vous voyez, l'excavation des globes oculaires, pareil. Le globe rentre à l'intérieur des orbites en rapport avec les signes de déshydratation extracellulaire. Alors, parfois, on peut avoir
les signes de déshydratation extracellulaire associés à une hyperhydratation intracellulaire et qui va nous faire dire peut-être qu'on est dans une déshydratation qui est hyponatrémique, qu'on va confirmer par un hémogramme, qui va avoir les signes de déshydratation extracellulaire qui sont marqués. C'est ce qu'on a vu dans la plaque précédente, mais aussi on va avoir des signes neurologiques d'œdème cérébral, d'hyperhydratation intracellulaire qui sont l'obnubilation et souvent la fièvre est absente. Quand on a une déshydratation qui va être plutôt intracellulaire et dans certains cas au terme mixte, comme dans la situation de la déshydratation hypernatrémique, le début est souvent aigu. On retrouve une hypernatrémie d'un foyer infectieux. Elle est en rapport avec la souffrance cellulaire, notamment des cellules cérébrales qui sont déshydratées. Les muqueuses, elles vont être très sèches. Les patients vont être irritables. Ils peuvent être comateux ou ils peuvent présenter des convulsions. Et les signes de déshydratation, par contre, extracellulaires, les plus cutanés, l'excavation des globes oculaires, la fontanelle antérieure déprimée, ils vont être beaucoup plus discrets. Donc, représente une difficulté quand on évalue la le degré de la déshydratation juste sur le signe clinique. Alors maintenant, comment on va apprécier la gravité de la déshydratation? Et ben, un bon indicateur, c'est le pourcentage de perte pondérale. Et ce pourcentage de perte pondérale se calcule en faisant la soustraction, poids antérieur, non, poids actuel, divisé par le poids antérieur, qui nous permet d'avoir un pourcentage de perte pondérale. On dira que l'enfant est déshydraté à 3%, à 4%, à 5%, à 10%. La limite de ce paramètre d'évaluation, c'est que souvent, le poids qui doit être utilisé, le poids antérieur, c'est un poids antérieur récent, et ce poids, cette information n'est pas disponible, ou du moins elle est rarement disponible, retrouvée chez les parents sur le carnet de santé. Une autre limite à l'utilisation de ce paramètre, chez les patients qui vont avoir un troisième secteur, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une diarrhée qui va être non extériorisée, il ne va pas y avoir de perte pondérale. Et donc, si on se fie juste à la perte pondérale, on peut sous-évaluer l'état d'hydratation de ces patients. Alors, on essaie d'apprécier l'état d'hydratation en utilisant d'autres paramètres, et ce sont des paramètres cliniques. On va parler chez les nourrissons de déshydratation modérée à 5%, si on a une légère tachycardie, une légère sécheresse des muqueuses, la duresse qui est conservée et pas de plus cutanée. Il faut savoir qu'à partir du moment où il y a une augmentation des pertes, dès qu'on a de la diarrhée, on est déjà déshydraté. Maintenant, on va parler de déshydratation sévère à 10%. Si on retrouve une tachycardie, une excavation des globes oculaires, une fontanelle antérieure déprimée, une oligurie et un plus cutané, on va dire que l'enfant est au moins déshydraté à 10%. Quand on a des signes de colaptus avec oligoaminurie, on évalue le degré de la déshydratation à au moins 15%. À ce moment-là, on va parler de déshydratation grave. Pareil, la limite de cette évaluation clinique, c'est que parfois, chez des enfants qui sont malnutris, on peut retrouver un pli cutané. Et donc, on peut avoir des difficultés à dire est-ce que c'est un pli cutané de malnutrition ou un pli cutané de déshydratation, d'autant plus que les enfants dénutris font plus de gastro-entérite, ils sont plus à risque d'être déshydratés. En ce qui concerne l'enfant plus grand, l'enfant de plus de 2 ans, l'évaluation de la déshydratation aiguë, on va plutôt parler de déshydratation modérée quand on a une perte pondérale de 3%, une déshydratation sévère, c'est une perte pondérale de 6%, une déshydratation grave, c'est la perte pondérale de 9%. Il faut savoir qu'il y a des scores qui ont été mis en place pour essayer justement d'évaluer et de pallier à toutes les limites de ces différentes évaluations que vous allez retrouver dans votre cours. Alors, sur le plan biologique, même si on a une idée en fonction du type de perte, en fonction des signes cliniques, l'élément qui va nous permettre de typer la déshydratation, c'est l'urinogramme sanguin. Et cet urinogramme sanguin, on va regarder la natrémie. On a une natrémie entre 130 et 150 millisieverts par litre. On dit que la déshydratation est isonatrémique. Par contre, si la natrémie est supérieure à 150, on parlera de déshydratation hypernatrémique. Et si la natrémie est inférieure à 130, on parlera de déshydratation hyponatrémique. La kaliémie, elle, normale, elle est entre 4 et 5 millisieverts par litre. Mais on a vu que la kaliémie devait être interprétée en fonction du pH. Un élément important à évaluer dès qu'on arrive à avoir une diurèse, c'est la densité urinaire. La densité urinaire chez un enfant qui ne fait pas
déshydratée, elle est entre 1010 et 1015. Par contre, chez les enfants qui sont déshydratés, elle va être élevée. Elle est toujours élevée. Et le fait de trouver une densité urinaire élevée, 1020, 1025, c'est quelque chose qui va nous rassurer sur les capacités du rein à concentrer les urines, sur ses capacités à concentrer les urines. Et le fait d'avoir des densités urinaires basses lors de la première miction, c'est quelque chose qui doit inquiéter. Quand je vous dis basse, basse, même si normal, autour de 1010, ça nous fait craindre des troubles de la concentration des urines. En ce qui concerne le pH, on va avoir un pH, comme on a vu souvent, on était dans une situation d'acidose, on s'attend à avoir le pH qui est entre bas, autour de 5, et c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui doit nous rassurer. Les autres examens qu'on fait, c'est le dosage de l'urée sanguine, on a vu qu'il pouvait être élevé dans le cas de l'insuffisance rénale fonctionnelle. La créatinémie, elle est souvent normale, mais peut-être légèrement élevée. Pour ce qui est des gaz du sang, quand on a des troubles, pour ce qui est des gaz du sang, on va se retrouver devant une acidose métabolique décompensée avec une baisse du pH et des bicarbonates. La chlorémie, elle est normale, entre 95 et 105 mg par litre. Elle est retrouvée basse dans la situation particulière quand il y a des vomissements importants, et notamment dans la situation dont je vous ai parlé, la stenose vertébrale du pylore. La glycémie, elle peut être normale, et dans certaines situations, elle peut être augmentée en rapport avec le stress. Alors, quelles sont les étiologies de déshydratation aiguë? La déshydratation aiguë, elle survient parce qu'il y a un déséquilibre entre les entrées et les sorties. Elle est le plus souvent en rapport avec un excès de perte. Et les pertes, c'est les différentes voies de perte au niveau des liquides. Donc, c'est tout d'abord, à plus fréquemment retrouver, ce sont les pertes digestives et c'est les gastro-entérites infectieuses, notamment virales. On peut avoir aussi des pertes par vomissement. Et un autre mécanisme de perte, ce sont les pertes rénales dans le contexte d'un diabète de type 1. Et on peut avoir des polyuries osmotiques. On peut avoir aussi des pertes rénales dans la situation d'un diabète insipide. On peut aussi avoir une déshydratation qui va survenir de cause endocrinienne, surrénalienne notamment, dans l'hyperplasie congénitale des surrénales, que vous allez aussi voir dans le cours de l'histoire. Et dans cette situation en particulier, vous allez avoir, en plus des signes de déshydratation, on peut avoir des anomalies de la différenciation sexuelle. Et on appelle l'hyperplasie congénitale des surrénales le syndrome de perte de sel. C'est-à-dire qu'elle va donner, le nourrisson perd le sodium au niveau urinaire et donc il va avoir une hyponatrémie. En ce qui concerne les pertes cutanées, on peut avoir des déshydratations quand l'enfant est sujet à un coup de chaleur, quand il y a des brûlures étendues en cas de mucoviscidose. On peut avoir aussi une déshydratation par perte pulmonaire parce que quand on parle, on perd énormément de liquide par perspiration. Donc, en cas d'hyperventilation, quelle que soit l'étiologie d'hyperventilation, en cas de bronchiolite, de pneumonie, on peut avoir une déshydratation chez le nourrisson. Alors, une situation qui est beaucoup plus rare, c'est le manque d'apport, c'est quelque chose d'exceptionnel. Dans la plupart du temps, c'est plutôt une augmentation de fer, mais elle peut se voir chez les enfants qui vont être en institution ou chez les enfants qui vont avoir des retards psychomoteurs importants. On peut avoir des déshydratations par manque d'apport. Il faut retenir, dans 90% des cas, la déshydratation fait suite à un épisode de diarrhée. On débute le chapitre prise en charge, traitement. Alors, on va prendre comme type de description déshydratation aiguë à 10% par diarrhée aiguë. L'objectif de la prise en charge est de rétablir l'état d'hydratation, de traiter la cause et de faire de la prévention. Alors, tout d'abord, la première étape, c'est que quand on a une déshydratation aiguë à 10% ou plus, l'enfant doit être hospitalisé. Ça fait partie de la prise en charge des maladies diarrhéiques, du programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques de l'enfant. Et on se retrouve dans le tableau C. Et donc, il faut hospitaliser l'enfant. Alors, la durée de l'hospitalisation va être variable en fonction, de l'évolution du malade, mais quel que soit X, un enfant qui est déshydraté à 10% ou plus doit être hospitalisé. Alors, on doit l'installer, on doit faire une mise en condition qui va dépendre de l'état clinique, est-ce qu'il est conscient, inconscient, est-ce qu'il y a des troubles neurologiques associés. Donc, on le met en position de sécurité. On prend deux voies d'abord, une pour prélèvement et une pour réhydratation. On va mettre en place un sachet collecteur d'urine pour pouvoir justement
guetter la survenue de cette première mixtion, évaluer la diurèse. On met en place une fiche de surveillance avec les données de départ qui vont comporter le type de déshydratation, la présence de signes de gravité, la présence de collapsus, d'acidose, de troubles neurologiques et les pertes en cours que l'enfant est en train de faire et la quantité de liquide qu'on va lui administrer. Et on va faire un bilan biologique. Alors, si on a des difficultés à prélever l'enfant, il faut privilégier l'urinogramme qui va nous permettre de typer la déshydratation et éventuellement la fonction rénale. Autrement, on peut faire d'autres examens biologiques pour pouvoir avoir plus d'informations. Donc, l'urinogramme va nous permettre de typer la déshydratation et on va se retrouver dans trois situations cliniques. Soit on est dans une déshydratation isonatrémique, qui est la situation la plus fréquente, ou dans une déshydratation hyponatrémie, ou dans une déshydratation hypernatrémie. Si on n'arrive pas à avoir le hyponatrémie, il faut débuter votre réhydratation comme une déshydratation isonatrémie, jusqu'à ce que vous puissiez faire un hyponatrémie sans doute. Alors, on commence par la déshydratation aiguë isonatrémie. Et bien, pour réhydrater un enfant qui présente une déshydratation aiguë isonatrémie, il faut non seulement lui donner sa ration de base, c'est la quantité de liquide dont il a besoin s'il n'avait pas été déshydraté. Il faut lui donner ses pertes en cours puisqu'il est en train de faire de la diarrhée en ce moment. Et en plus, il faut lui donner ses pertes antérieures. Donc, cette réhydratation va se faire en deux phases. Pardon. La phase 1 aura pour objectif de compenser les pertes antérieures et elle se situera entre 0 et 6 heures. Et la phase 2, on va lui donner sa ration de base ou ration d'entretien en plus de ses pertes en cours et qui va se faire entre la 6e heure et la 24e heure. Si l'enfant est déshydraté à 10%, ses pertes antérieures sont évaluées à 100 cc par kilo. S'il est déshydraté à 15%, ses pertes antérieures sont évaluées à 150 cc par kilo. On va regarder maintenant dans le détail la réhydratation. Tout d'abord, la compensation des pertes antérieures. La compensation des pertes antérieures qui doit se faire entre le début de la réhydratation et la 6e heure, on va la subdiviser en deux phases. Tout d'abord, il y a une urgence à reperfuser les reins et il y a une urgence à corriger un éventuel collapsus ou à corriger une éventuelle acidose. Donc, on commence du début de la réhydratation à H2, c'est-à-dire du 0 à la 2e heure, on va viser à restaurer la moitié des pertes antérieures. Et cette restauration de la moitié des pertes antérieures, normalement, doit aboutir à reperfuser les reins et on devrait obtenir alors comme objectif d'obtenir la diurèse. Mais il y a quelque chose de plus urgent qui est de rétablir l'état de perfusion, l'état circulatoire. Et donc, c'est pour ça qu'on va faire vite. Et de 0 à 30 minutes, on va nous donner les 2/5 de la moitié des pertes antérieures, soit 50 cc par kilo. Alors, le soluté qui va être utilisé pour augmenter la volumie, ça va être privilégié le sérum salé isotonique. Et le débit va être calculé en divisant la quantité de liquide qu'on doit donner par 1,5, c'est-à-dire 3 fois la durée, 3 fois 0,5. Dans des situations d'acidose sévère, avec un pH qui est très bas, ou d'acidose clinique, on peut être amené à donner du sérum bicarbonate. Et dans la majorité des cas, il suffit de donner du sérum salé isotonique pour permettre d'augmenter la volumie et d'arrêter la fabrication d'acide lactique, de reperfuser le rein qui va permettre d'éliminer les ions H+ en excès et on n'aura pas besoin de mettre du sérum bicarbonate. Donc, c'est de 0 à 30 minutes, l'objectif est de rétablir, de corriger un éventuel collapsus. De 30 minutes à 2 heures, on va donner ce qui reste de la moitié des pertes antérieures, la première moitié, donc on va donner 3/5 de la moitié des pertes antérieures, soit 30 cc par kilo de sérum salé isotonique, et on doit faire le point comme AH2. L'objectif de cette phase, c'est d'obtenir la diurèse. On va voir est-ce qu'on a obtenu une diurèse ou pas. Et bien, dans le meilleur des cas, on va avoir une diurèse, et c'est tant mieux, mais dans certaines situations, la diurèse ne sera pas obtenue. Et bien, si la diurèse n'a pas été obtenue, il faut vérifier que l'enfant a reçu les quantités qu'on avait prévues de lui donner, tout d'abord. Il faut vérifier, l'examiner pour vérifier qu'il n'y a pas de globe vésical. Et s'il n'y a pas de globe vésical, on va se dire que peut-être on a sous-estimé notre déshydratation. Et donc, on va lui rajouter 10 cc par kilo de sérum salé sur une heure. Et on fait exactement la même démarche, c'est-à-dire à H3, on vérifie qu'il a reçu les quantités qui étaient prévues
On examine pour vérifier qu'il n'y a pas de globule vésical. Et si on est dans cette situation, on se dit encore, peut-être qu'on a sous-estimé son déshydratation. On va rajouter encore 10 cc par kilo de sérum salé sur une heure. Au bout de la quatrième heure, si l'enfant n'a toujours pas uriné, il a reçu les quantités qui avaient été prévues, s'il n'a pas de globule vésical, on commence à s'inquiéter par rapport au pronostic fonctionnel de son rein. Et on va essayer de fouetter le rein, de le booster en administrant un diurétique qui est le furosémide à raison de 1 mg par kilo en intraveineux. On va arrêter les perfusions parce qu'on ne peut pas le surcharger en ne sachant pas quelle est la situation du rein et on le surveille. Et jusqu'à la sixième heure, par rapport au début de la réhydratation. Si à H6, il n'y a toujours pas de diurèse, il faut transférer l'enfant en unité de soins intensifs pour épuration extrarénale. Et dans, en pédiatrie, dans la plupart du temps, l'épuration extrarénale va se faire par une dialyse péritonéale. Et heureusement, c'est la situation la moins fréquente. Dans la plupart du temps, les enfants obtiennent une diurèse, en général au bout de la deuxième heure. Mais le plus important, c'est que dès qu'on obtient une diurèse, on passe à la suite du schéma de réhydratation. On fait d'abord la bandelette urinaire qui va nous permettre d'évaluer non seulement la présence ou pas des maturés de protéines et de glycogène, mais surtout va nous permettre de regarder la densité urinaire qu'on peut faire par une bandelette urinaire ou qu'on peut faire par un densitomètre. Et on a vu qu'on s'attend à avoir des densités urinaires qui doivent être élevées. La normale est entre 1010 et 1015. Nous, on s'attend à avoir 1020, 1025, et c'est quelque chose qui doit nous rassurer. Dès qu'on a fait, qu'on a obtenu cette diurèse, on passe à la suite de la réhydratation et qui va se faire entre H2 et H6. On termine cette première phase qui est la correction des pertes antérieures et bien, on va donner 50 cc par kilo. Maintenant, comme on a obtenu la diurèse, on est à l'aise. Pour le soluter, on ne va plus utiliser du sérum salé isotonique, mais on va plutôt utiliser le soluté intraveineux de réhydratation. Donc, dès qu'on obtient la diurèse, on n'a pas besoin de réfléchir par rapport à la qualité du soluté, on va administrer le soluté intraveineux de réhydratation. Pareil, en ce qui concerne le débit, ça va être la quantité divisée par 3 fois le temps en heure. Donc, dans ce cas-là, la durée est de 4 heures, donc ça va être la quantité divisée par 12. On fait le point à H6. Comme cette phase avait pour objectif de compenser les pertes antérieures, donc on devrait avoir une prise pondérale qui devrait correspondre aux 10% qui ont été perdus, c'est rarement le cas. On va avoir une prise pondérale qui va être 8, équivalente à 8 ou 9%, puisque le liquide en les a donnés par voie UV, mais l'enfant continue à avoir des pertes. On n'aura plus de signes de déshydratation. Les signes de déshydratation qui étaient au départ, le cutané, l'excavation des globes oculaires, la fontanelle antérieure déprimée, on n'aura plus de signes de déshydratation, puisqu'on aura compensé les pertes antérieures. Alors, la phase 2, qui, elle, a pour objectif de compenser les besoins d'entretien ou la ration de base, mais aussi de compenser les pertes en cours, elle va se dérouler entre la 6e et la 24e heure. Tout d'abord, pour la ration de base, qui va être assurée par voie intraveineuse. Cette ration de base, elle va être tout d'abord en fonction du poids, et donc elle va être calculée en fonction du poids. Pour les enfants qui vont peser moins de 10 kg, on va donner 100 cc par kilo, de soluté intraveineux de réhydratation. Quand on a un enfant qui pèse entre 10 et 20 kg, il va avoir 1000 cc pour la première dizaine de kilos et 50 cc par kilo pour chaque kilo supérieur à 10 kg. Et pour un enfant qui pèse plus de 20 kg, la ration de base est égale à 1000 cc pour la première dizaine de kilos, 500 cc pour la deuxième dizaine de kilos et 20 cc par kilo pour chaque kilo supérieur à 20 kg. Alors, cette ration de base peut être modifiée dans certaines situations où le métabolisme de base va se faire de façon plus importante ou moins importante, notamment en cas de modification de la température. Eh bien, en cas de fièvre, si l'enfant est fébrile à plus de 38 degrés Celsius, il faut majorer la ration de base de 12% pour chaque degré au-delà de 38. Par contre, s'il est en hypothermie, il faudra réduire la ration de base de 12%. Pour chaque degré qui va être inférieur à 36 degrés Celsius. Une autre situation qui modifie la ration de base, c'est la présence de polypnée. Quand on a une polypnée, il faut penser à majorer la ration de base de 20 à 25%. Ça, c'est pour la ration de base. Elle doit être donnée par voie intraveineuse. Elle sera donnée sous forme de soluté de réhydratation par voie intraveineuse. En ce qui concerne les pertes en cours, il faut privilégier l'administration par voie orale
je pense de solliciter de l'hydratation par voie orale. Et par rapport à la quantité qu'on doit donner, comme on va compenser les pertes en peau, ça va être en fonction du nombre de selles. Donc, on a des pertes diarrhées. Si l'enfant fait moins de 6 selles, on va donner 25 cc par kilo. S'il fait entre 6 et 10 selles, on va donner 50 cc par kilo de solliciter de l'hydratation par voie orale. S'il fait plus de 10 kg, on va donner 75 cc par kilo. Si les pertes sont faites plutôt sous forme de vomissement ou de polypnée, on va donner 150 cc par kilo. Et si on n'arrive pas à quantifier, si la maman, quand vous allez la voir, elle vous dit « la couche, elle est pleine, je ne sais pas combien de sel il a fait », eh bien, on va donner 50 cc par kilo, toujours sous forme de solliciter de réhydratation par voie orale. Quand on a réhydraté un enfant, le deuxième jour, ce n'est pas parce qu'on a terminé la réhydratation que ça s'arrête là. Il faut évaluer son état d'hydratation. Il faut poursuivre le sel de réhydratation tant que dure la diarrhée pour éviter justement qu'on se retrouve dans une autre situation, dans un autre épisode de déshydratation. Alors, en ce qui concerne la surveillance, on a vu tout au long de la réhydratation, mais on va juste récapituler. Donc, la surveillance, elle doit se faire de façon horaire. Elle aura pour paramètres l'état de conscience, l'état d'hydratation, les constantes vitales, le poids de l'enfant à la 6e heure, à la 24e heure, évaluation des pertes en cours, notamment à la 6e heure, mais même au cours de la réhydratation, pour voir si l'enfant n'a pas besoin de majorer ses pertes en cours, et l'évaluation de la diurèse. En ce qui concerne le bilan biologique, on fait la bandelette urinaire ou la chimie des urines à la 2e heure dès qu'on obtient la diurèse. La fonction rénale, le ionographe sanguin, les gaz du sang vont être faits au départ et tous les paramètres qui sont perturbés au départ doivent être recontrôlés. Si les examens étaient normaux en début de réhydratation, on n'a pas besoin de refaire les bilans. On a terminé pour la déshydratation isonatrémique. Maintenant, on va voir une déshydratation hyponatrémique. La déshydratation hyponatrémique, ça va être exactement les mêmes étapes, la même durée d'hospitalisation qui est en général de 24 heures qu'une déshydratation isonatrémique. La seule différence entre l'hyponatrémique et l'isonatrémique, c'est qu'on doit se poser la question, est-ce qu'on doit corriger le déficit en sodium ou pas, comme on est dans une déshydratation hyponatrémique? Eh bien, la correction du déficit en sodium n'est pas systématique et elle va se faire de cas par cas. On fait la correction du déficit en sodium si on a une hyponatrémie sévère inférieure à 120 000 équivalents par litre, ou si on a des signes cliniques d'hyponatrémie, convulsion, coma, collapsus. Dans cette situation, on doit calculer le déficit en sodium. Le calcul du déficit en sodium se fait en utilisant cette formule. C'est 135, c'est la natrémie qu'on veut obtenir, moins la natrémie du malade, c'est la natrémie mesurée, qu'on va multiplier par l'eau totale actuelle. Et l'eau totale actuelle chez un patient qui est déshydraté est égale à 0,55 multiplié par le poids, puisque ça correspond à 55% de son poids corporel. Donc ça, c'est pour le calcul du déficit en sodium. Si on doit le donner sous forme de NaCl à 10%, ne jamais donner en intraveineux direct, parce que c'est un soluté qui est perfusé, toujours donner à l'intérieur de la perfusion en surveillant la tension artérielle. Alors, à quel moment, si on doit corriger le déficit en sodium, on doit faire cette correction? Eh bien, cette correction doit se faire entre la 30e minute et la deuxième heure de la 30e minute et la deuxième heure de la réhydratation. Donc, je récapitule, exactement la même réhydratation que dans une déshydratation hyponatrémique. On va donner la première phase qui est la compensation des pertes antérieures sous forme la compensation des pertes antérieures à 100 cc par kilo dans une déshydratation à 10%. De 0 à 30 minutes, on va donner 20 cc par kilo sous forme de sérum salé isotonique. Et de 30 minutes à 2 heures, on va donner 30 cc par kilo de sérum salé isotonique. Et on doit se poser la question, est-ce qu'on doit corriger le déficit en sodium ou pas? Si la correction du déficit en sodium est indiquée, on va le faire au cours de cette phase. Pour la suite, c'est la même que dans l'isonatrémie. En ce qui concerne la déshydratation hypernatrémique, au cours de cette déshydratation, il y a des principes à respecter. Et ces principes à respecter sont très, très importants pour éviter la survenue d'œdème cérébral, qui est un œdème cérébral iatrogène lié à une mauvaise gestion de la réhydratation. Donc, les principes sont la correction doit se faire sur 48 heures. On fait ça de façon très lente. On doit diminuer progressivement la natrémie de 10 à 15 000 équivalents par litre et par jour. La ration de base doit être réduite à 25%
car un risque d'hypersécrétion d'hormones antidiurétiques. Alors, toutes ces précautions doivent être prises parce que comme on est dans une déshydratation hypernatrémie, si on fait une baisse brutale de la natrémie, il va y avoir des mouvements d'eau de façon brutale du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Si la natrémie baisse de façon brutale, l'eau passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré, du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc, on va avoir un passage brutal d'eau du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire, du secteur, pardon, extracellulaire vers le secteur intracellulaire, et donc il va être à l'origine d'un œdème cérébral. Alors, en pratique, comment on fait cette réhydratation? On la fait en trois phases. La phase 1 qui va se dérouler du début à la 6e heure, de 0 à 6 heures, on va donner la moitié des perpentérines. Et cette quantité de liquide, on va la donner, comme on est dans une hypernatrémie, sous forme de sérum glucosé à 5%. Donc, on va donner 50 cc par kilo de sérum glucosé à 5%. Et comme on ne veut pas baisser la natrémie brutalement, on va rajouter un peu de sodium. Et donc, on va rajouter 25 ml équivalent par litre de NaCl sous forme de NaCl à 10%. La phase 2, qui est de la 6e à la 24e heure, on va compenser les pertes en cours sous forme de SRO et qui vont être fonction des sels. Par contre, la ration de base, qui est fonction du poids, on va la réduire de 25% pour éviter justement la survenue d'œdème cérébral. Et on va la compenser sous forme de soluté de réhydratation par voie intraveineuse. Pour ce qui est de la phase 3, qui va se dérouler de la 24e à la 48e heure, on va donner la deuxième moitié des pertes antérieures à raison de 50 cc par kilo et on va donner la ration de base dont il aura besoin ce deuxième jour et qui correspond chez un enfant de moins de 10 kg à 100 cc par kilo. Alors, on a terminé la prise en charge. On va parler un peu de complications. Et bien, les complications, vous avez tout d'abord la complication rénale, notamment la survenue d'une insuffisance rénale organique qui va se voir surtout chez le nouveau-né et chez le jeune nourrisson, surtout si la déshydratation elle s'est prolongée. On peut voir aussi une déshydratation sévère avec des signes de prolapsus qui peuvent se prolonger. Et cette insuffisance rénale, elle va survenir par thrombose de la veine rénale ou bien par nécrose corticale. Les complications neurologiques, on peut avoir des convulsions qui sont liées à des dysnatrémies, hypo-hypernatrémies. Il peut y avoir aussi des convulsions en rapport avec une thrombose des veines rénales liée à l'augmentation des éléments figurés du sang ou bien par hémorragie cérébrale. Une complication particulière qui est l'hématome sudural, qui est l'apanage de la déshydratation hypernatrémique. Donc, quand on va avoir une hypernatrémie, il va y avoir une déshydratation intracellulaire et le volume cérébral va diminuer. Et donc, le fait que le volume cérébral diminue va tirer sur les vaisseaux ponts qui vont aboutir à la survenue d'un hématome sudural. Et à l'extrême, on peut avoir la déshydratation qui peut occasionner un arrêt, peut mettre en jeu le pronostic vital et on peut avoir des décès. Heureusement, c'est la situation la moins fréquente. Le meilleur traitement, la meilleure prise en charge de la déshydratation reste la prévention. Et la prévention de la survenue de la déshydratation, on a vu, c'est le traitement des diarrhées aiguës. Et le traitement des diarrhées aiguës consiste tout d'abord à l'utilisation de sels de réhydratation par voie orale. À chaque fois qu'un enfant va accélérer son transit, on doit obligatoirement lui donner les sels de réhydratation par voie orale. Et cette administration doit durer tant que dure la diarrhée. Et elle passe aussi la prévention par l'éducation sanitaire des mères par rapport à ce qu'il faut faire par rapport à la prise en charge des enfants qui font de la diarrhée et aussi à l'application des règles hygiéno-diététiques puisqu'on a vu que la plupart du temps on le fait sur des gastro-entérites infectieuses et donc l'hygiène des mains, la préparation des biberons, l'allaitement maternel, la vaccination, ce sont des éléments très très importants dans la prise en charge et je vous remercie.